On pose souvent la question de savoir si les RH sont une variable d'ajustement essentiellement économique de la politique de l'entreprise. Mais bien évidemment, ça fait 30 ans qu'on a l'usage de cette variable d'ajustement. Or, il y a deux enjeux majeurs qui sont sous-jacents et dont on a besoin de parler. C'est tout d'abord la question de l'anticipation et du suivi de ces mesures d'ajustement et la dimension psychosociale. Pour ajuster, il faut d'abord anticiper et travailler sur différents scénarios. Se donner le temps, ne pas être pris au dépourvu ou ne pas être pris de vitesse par les événements. Et donc l'équipe de direction, la direction des ressources humaines ont tout à fait intérêt à travailler sur des scénarios et à se donner le temps. J'ai l'exemple en tête d'une entreprise qui a mis un an à préparer un PSE. Face à ces ajustements, le management va avoir un rôle de proximité à jouer. Tout d'abord, absorber le traumatisme, hein, qui est celui de la séparation, ceux qui sont partis et ceux qui restent. Ensuite, de redonner confiance et de faire travailler sur un projet. Pourquoi faire travailler sur un projet? D'une certaine manière, l'événement qui vient de se produire se solde par une forme d'échec. Et donc, il s'agit de redonner une nouvelle perspective, un nouvel enjeu sur lequel les équipes vont travailler.